Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Yasmine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer ces magnifiques et délicieux mini tacos au poulet. Je vous partagerai également la recette de ma délicieuse sauce fromagère. Alors surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour la préparation de nos tacos, on va utiliser 350 g d'escalope de poulet que j'ai découpé en petits morceaux. 3 tenders. Moi, je les ai achetés tout prêts, mais vous pouvez les faire vous-même en retrouvant la recette sur ma chaîne. Des frites, 300 ml de crème liquide entière, 60 g de fromage râpé, du poivre, du sel, des galettes tortilla. Moi, je les ai achetées, mais vous pouvez les faire vous-même en retrouvant la recette sur ma chaîne. Et l'huile pour la friture. Je vais commencer par faire cuire mes frites et mes tenders à la friteuse et on va préparer ensemble le poulet. J'ai mis un peu d'huile dans une poêle et je laisse chauffer. Quand mon huile est bien chaude, j'ajoute mon poulet. J'assaisonne, je mets un peu de sel et un peu de poivre. Et je laisse cuire mon poulet à feu moyen en remuant régulièrement. Et voilà, après environ 5 minutes de cuisson, mon poulet est prêt. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'eau. Je vais le retirer et on passe à la préparation de notre sauce fromagère. On va préparer maintenant notre sauce fromagère. Dans une casserole, je verse ma crème liquide. Et je vais porter à ébullition. Voilà, ma crème commence à bouillir. Je vais la laisser monter comme ceci. Je la retire un instant. Quand elle descend, je la remets. Et quand elle remonte encore une fois, j'ajoute le fromage. Et je mélange bien. Je mets un peu de sel et du poivre. Et quand ma sauce s'épaissit comme ceci, c'est qu'elle est prête. Je vais la retirer. Voilà, j'ai fait cuire mes frites. Il ne faut pas trop les cuire, juste comme ceci. J'ai fait cuire aussi mes tenders et je les ai découpés en petits morceaux. Ensuite, j'ai mon poulet, la sauce fromagère et les galettes tortilla que j'ai découpées en deux. Je commence par mettre un peu de sauce fromagère. Je mets un peu de poulet, un peu de tenders. Les frites et encore un peu de sauce fromagère. Vous pouvez bien sûr rajouter la sauce de votre choix. Je plie comme ceci, ensuite comme ça en triangle, un peu comme on plie les samoussas ou les briques. Voilà, j'ai fini de former mes tacos. Je vais les passer maintenant au toaster ou à la machine à panini. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une poêle. Voilà mes tacos. Comme vous pouvez voir, ils donnent très envie. Ils sont très appétissants. Regardez, ils sont bien dorés. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et surtout pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !